d'ailleurs, c'est bon. T'as pris ta décision? Ouais. J'étais en train de préparer mes affaires. Et je suis tombé sur ça, regarde. Oh punaise, ça date ce truc. Ouais. On dirait que c'est fait exprès. Je suis en train de ranger toutes mes affaires et je retombe là-dessus. J'avoue. Oh punaise, t'as même tous les posters de quand t'étais petit et tout. Toute la déco de quand t'étais enfant, quoi. Par contre, faut vraiment que tu penses à changer ce papier peint, c'est pas possible. Il est horrible. Oh, wow, t'as trouvé le jeu. Punaise. Eh, hey, on a passé des heures à jouer à ce truc. On n'a pas joué qu'au jeu, hein. Tu te rappelles quand on faisait semblant d'avoir des super pouvoirs et qu'on utilisait la couture de maman pour faire les toiles d'araignée? Nous avons engueulé. Ouais, je me souviens. Moi aussi, je m'étais fait engueuler, j'avais cassé une lampe en faisant un Spider-Man dans le salon. C'est bien fait. T'as regardé cette photo? Ouais. Bah, je sais pas, je pensais que tu le détestais, ce jeu. Non, non. C'est lui qui me détestait. À chaque fois qu'il venait ici, il foutait le bordel dans ma chambre. En même temps, si t'avais été plus sympa avec lui... Non, alors là, je t'arrête tout de suite. Quoi? Mais tu viens de rabâcher encore la même connerie. C'est pas de ma faute s'il est parti, je te l'ai déjà dit. Tu l'as laissé partir. Ouais, comme t'as laissé partir maman. C'est dégueulasse de me dire ça. Pourquoi? C'est la vérité? Quand elle avait besoin de toi à l'hôpital, t'es jamais allé la voir. Pas une seule fois. Toi, tu préférais sortir pour décompresser. Je sais très bien que si j'avais su ce qui allait se passer... Mais tu le savais! T'as juste fait semblant de pas comprendre. Tu vois, c'est pour ça que je me casse. Dans cette famille, soit on finit tous par choper ce que maman elle a eu, soit on finit tous par se laisser tomber volontairement. Alors pour te répondre, oui, j'ai pris ma décision. Et je préfère y aller. Mais tu crois pas que t'es un lâche, toi? T'es en train de nous abandonner, là, volontairement, je te signale. Et bah comme ça, tu verras ce que ça fait. Et papa, t'y as pensé? Ouais, j'y ai pensé, ouais. Et bah je me casse quand même. Et puis sache que moi je serai toujours là pour lui parce que moi quand on m'appelle, je suis là. Quoi qu'il arrive, si jamais tu décides de revenir... Non. C'est gentil mais non. Moi j'ai besoin de temps. Ça pourrait se passer autrement. Non, je suis désolé. Non, c'est moi qui suis désolé. J'ai fait une connerie. Et maintenant, je dois vivre avec.